Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une game avec un perso pas du tout pété sur le moment. Ça veut pas dire que je le joue bien, attention, c'est bien différent. GP, je savais pas du tout quoi prendre, je dois avouer que j'ai pris un petit peu mode random. J'ai vu GP de hub, j'ai fait allons-y, prenons GP. Je vais peut-être fail, je vais sans doute fail, mais j'aurais joué GP. Concrètement, pourquoi il est pété? Parce que lorsque vous faites péter votre tonneau avec votre parler, si vous avez une petite trinité dans le coin, ça fait un proc assez dégueulasse. Et vous atteignez vite les 400 dégâts avec le fait que ça ignore l'armure, etc., etc. Bref, on va donc prendre le parler au niveau 1. C'est le Q, hein, ceci, qui fait proc les effets on hit, etc. A savoir aussi que lorsque vous faites péter le tonneau avec votre parler, vous allez aussi stack tout simplement ce passif-là. C'est quand vous tuez des mobs avec votre A, ou quand vous les tuez avec les tonneaux, mais que vous faites péter le tonneau avec le A, cela vous donne des golds, et au bout de 500 golds, vous pouvez améliorer votre ultime. Donc il y a diverses améliorations possibles. Une, c'est augmenter le nombre de procs de l'ultime, de boulets de canon qui tombent. Je pense que c'est la plus commune. Une, c'est un gros boulet de canon qui tombe au milieu et qui fait très très mal. GG wellplay. Et la dernière, c'est tout simplement... Hop, on va essayer de mettre un auto-shot avec le passif, ça peut être cool. Non? Si, elle va venir, last hit. Allez, viens. Merci. Le passif est tout simplement dégueulasse, comme vous voyez c'est des dégâts bruts et tout, c'est un peu sale. Par contre faut que je pense à utiliser mes potions sinon ça sert à rien. Attention au passif de Fiora qui lui aussi fait très mal. GG, hop. On la poke, il y a mon passif de up, là ça m'embêterait quand même de devoir... Hop, le petit coup avec le passif, très très important ces dégâts bruts. Hein. Et prochain coup, est-ce qu'on fait un flash Q, je ne sais pas. Allez viens. Ah, dommage. On garde les tonneaux à portée. L'avantage, c'est que elle est complètement zonée par le tonneau. Suffit que j'en mette un doucement mais sûrement à côté d'elle. Je peux faire péter le premier, ça fera péter le second. Notez ça. Le but, c'est qu'elle ne puisse pas réellement avancer. Faut aussi que je pense à la steed, que je pense à la steed avec le Q, que je pense à la poke. J'aurais dû prendre juste le... Comment ça s'appelle le Z niveau 3, mais c'est pas trop... Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, dirons-nous. Est-ce que je peux mettre 4 tonneaux? Ah oui, les premiers disparaissent pas, tiens. Est-ce qu'elle va venir la stit? Oh! Le temps que le Q parte, en fait, c'est trop long. Ok, bon, ça, je pense que ça vient avec l'habitude de GP, hein. C'est tout bête, mais... Une fois que t'as l'habitude, tu dois savoir à peu près quand balancer ton Q pour que ça fasse péter le tonneau. Je suppose, en tout cas. Mmh, GG. Sauf qu'elle était pas là du tout. On va quand même mettre une petite ward ici. Hop. C'est un petit peu compliqué. Parce que le temps que le Q parte, je... Ouais. Je sais pas, je suis un peu nul. Ah ah. Oh. C'est sale. Ah non, je voulais pas le taper le creep par contre, c'est pas terrible. Yo-ho. Coucou. Très bien. Elle m'a poke. Je suppose que c'était très cool. Mais... Ah, ça c'est le truc que j'arrive jamais, voilà. C'est tout le temps les gens qui font pop mes tonneaux, j'arrive pas. Dès que les gens viennent taper mes tonneaux, je ne sais pas comment faire. S'il y a une astuce ou quoi, je suis preneur, hein, n'hésitez pas les gars. Je manque gravement de mécanique avec les tonneaux. Et j'arrive à me concentrer sur rien, cette game va être horrible. Non, tu oublies ça. Ouais, je suis vraiment nul. Ah, non? Mais, oh, j'en ai marre de cette tour, sans déconner. Hop là. Bon, ok, c'est un peu chaud, je joue très mal, j'arrive pas à faire proc mes tonneaux, j'arrive pas à la stit. Ne jouez pas fatigué, ne jouez pas fatigué, c'est la pire des choses que vous puissiez faire, c'est la pire décision que vous puissiez prendre. Mais en même temps, des fois, je comprends qu'on ait envie de jouer, tout simplement, c'est, voilà, vous avez cette envie de jouer, que vous soyez fatigué ou pas.
Mais c'est cool, ça se conçoit. 9,52 TP Fiora. Hop. Ok, on va essayer de se concentrer un peu. J'ai même pas vu à la base que le Shaco était là. Notez ça quand même, hein. C'est ouf. Il y a des moments où tu sens que... Voilà, pouf. Oh, elle devait tellement pas se dire que j'allais faire ça. Ah oui, pensez à ne pas balancer vos tonneaux n'importe comment, hein. Ça lui rapporte des golds. Touché. Bah, pourquoi est-ce que je l'ai pas... D'accord, j'ai ni mes autoshots, ni mon... Ok. Je n'ai pas saisi, mais... Très bien, j'ai dû rater un truc quelque part, mais j'ai l'impression que ni mes autoshots, ni mon Q ne sont passés à travers son shield. Je sais pas, j'ai dû fail, c'est pas grave. Je suis passé level 6 avant, j'ai pu mettre plein de dégâts, c'était quand même GG cool. On est content. On est content. Ah oui, mais faut tuer avec ça, mince. C'est pas GG cool, garde, pas fail. Nos flash Fiora, très important, on prévient les copains. Pensez d'ailleurs aussi au... Je suis désolé, hein. C'est compliqué avec la fatigue, mais je me de faim. J'ai pas pu sortir de VOD depuis quelques jours et... C'est un peu triste, alors... Vas-y, bah, fais péter le tonneau, hein. Hop, c'était un peu triste de pas vous sortir de VOD, donc... Voilà, je préfère mieux vous en sortir un peu fatigué que de ne pas vous en sortir. Ça me manque un poil. Puis on va voir, on va peut-être faire des trucs cool avec le GGGP. Hein. Je suis pas convaincu, mais tout est possible. Hop, bon, Fiora est par là. Il faudrait le Fash. Le Fash, ce serait cool. On pourrait un peu plus vite, puisque là... Pour le moment, mes tonneaux sont pas assez au level pour que je stack bien de toute façon. Est-ce que j'essaie de mettre un Q? Oh non. De toute façon, faut penser aussi à regarder le passif de Fiora, là, il est derrière moi, du coup, elle pourrait pas prendre un trade super avantageux pour elle. Mais, avant, Spatchy. On va essayer de bouger un peu, de toute façon, là, ça devient dangereux. Je ne sais pas où le jungler adverse, j'ai pas regardé la minimap une seule fois durant cette game. Je viens à peine de la regarder. Tu sens déjà la game qui pue, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose, copain? Je sais pas, tu me dis si... Coucou. Oh si, c'est possible. Ah non, bah non, je suis trop nul. Tiens, salut Echo. Ouf. Ah d'accord. Echo, il a pas compris que rester la moitié de ses HP dans mon AE, c'est pas la meilleure des choses. Bon, je suis extrêmement nul, mais c'est pas grave. GGP, je suis... Pourquoi réfléchir et se demander si on est bon ou pas quand on joue GP? Ouais, évidemment. On va pouvoir bouger. On va quand même faire péter ça avant qu'ils aient les gobs. Pour deux coups de tour, je suis pas sûr que c'était rentable. C'est même pas, je suis pas sûr, c'est je suis sûr que ce n'était pas rentable en fait. C'est plutôt en ce sens là. On va back. On va acheter le phage. On va acheter les bots rang 1 et puis... Pff, advienne que pourra, cette game je... C'est même pas comme si je me faisais carry, enfin... Parce que... Oui, le Shaco a l'air de faire un bon taf. Mais je crois que la Fiora en fait ne se rend pas compte à quel point je suis nul avec GP, du coup elle n'ose pas prendre l'agression. Concrètement, la Fiora aurait déjà pu prendre des agressions, bien avant, hein, évidemment, des trades dans les premiers niveaux. C'est-à-dire que dès que son passif était du bon côté, hein, avec son A, elle me faisait un A, puis autoshot E pour le reset d'autoshot, et en théorie, si elle gérait bien, elle prenait le trade, elle le gagnait, quoi. Mais je pense que comme GP est censé être OP pour le moment, elle fire un peu, alors que je suis complètement nul. C'est assez rigolo d'ailleurs, hein. C'est à noter... Moi j'aime bien ce genre de truc là. Mais bon, la pauvre Fiora, si seulement elle savait. Elle s'en mordrait les doigts tellement genre oh, il joue GP, il doit être trop fort ce mec. Et pas du tout. Pas du tout ma pauvre. Enfin, j'ai déjà joué de meilleur GP que ça on va dire. Mais cette game là, je suis vraiment pas dedans. Fatigue et tout.
I am nul, very nul. Coucou. Tiens, viens. Est-ce que tu vas aller là-dedans? Mais non. Tu m'énerves, petit crabe. T'aurais pu être un GG crabe aller dans mon tonneau quand même. Bon. C'est pas grave. Oh, salut. Merci. Bien sympa. Mais c'est pas possible qu'il soit aussi nul. Le Shaco doit croire que je suis bon. Le Shaco va penser que je suis pas mauvais. Je suis sur ma gueule. Allez, filez-moi un assist hein, quand même. Ouais, vas-y. Allez. Allez, je claque mon ultime. Oh, cette tristesse. Bon, j'ai un blue buff quand même. Pas mérité. J'ai un blue buff. Mais aïe! C'est quoi ça? Arrête! Mais. C'était quoi? Mais pourquoi il a fait un demi-tour? Mais c'était quoi ça? Mais oui! Il a fait. Hop là! Je retourne vers elle. What the fuck? Pourquoi? Gigby! GP, pourquoi tu fais ça? Juste pourquoi je... Je pensais qu'on était potes tous les deux. Enfin, je veux bien que je sois nul en tant que GP. Hein. Bon, de base, je suis nul en tant que GP. Cette game-là, je suis encore pire que d'habitude. Mais quand même, enfin, de là à faire un retournement directement dans la furie ennemie, c'est pas... C'est pas super cool de ta part, mon petit GP. C'est pas super cool. On va prendre des bottes de lucidité et puis on prendra plus tard seulement l'âme d'infini. Les bottes de lucidité vont permettre d'avoir comme la bonne CDR. Et ça va être cool. Mais alors notez, voilà, ça c'est un tonneau amélioré. Ouais, bah attendez, je peux pas vous montrer les gars d'un tonneau normal ici de toute façon. Faut que je vous montre hein, la différence entre faire un Q qui proc la trinité et un Q qui ne la proc pas. Il y a une très grosse différence entre les deux en termes de dégâts. Pour les tonneaux, c'est assez particulier d'ailleurs. Est-ce que la luxe s'avancerait? Ils prennent pas le fight, non, ils prennent pas plus loin. Bon, vas-y. Hein. Voilà. On a gagné. C'était très dur, comme vous avez pu le constater. Complètement branded ce perso. Je joue. Mais je joue mal. Mais mal as hell quoi. Alors vous allez voir la différence entre ce tonneau là proc trinité, 400 et quelques de dégâts, et un tonneau pas proc trinité. Voilà, 142. C'est assez ouf quand même cette différence. Oh, je lui ai mis un petit pourparler là, mais ça n'a pas suffi. Coucou. Oh, c'est... Genre, elle l'a senti. Elle a senti qu'il y avait un truc qui puait. Ah, toi, t'es mort. Non. Oh, on tape pas mon copain. Ah, oh, je suis un peu déçu. Bon, vous avez vu tout à l'heure la différence de dégâts entre deux. C'est assez dingue, quand même. Comme si, en fait, le tonneau qui pétait avec, donc le Q qui proc la trinité, faisait un proc de trinité aussi. C'est la seule façon dont je comprends ça. Hein. C'est assez bizarre. Regroupez-vous. On a bientôt les 500 gold. Et là, ça va être bon. Ah oui, passif de l'ultime, quand il augmente de niveau, vous gagnez un tonneau. Voilà, c'est la petite anecdote cool. On va attendre proc trinité. Ok, Fiora, j'ai pas envie de la fight, parce que je me connais. Vu comment je joue mal, ça va pas passer du tout. Clairement. On va essayer de choper peut-être une BF d'un seul coup, plus des bottes de lucidité, ça pourrait être idéal. Ouais, t'es mort. Ah, mange, juste pour proc de la trinité, hein, on mange des oranges. Et puis, les petits creeps, ça va être bien. On aura nos 500 gold. Bah non. Mais si, bien sûr que si. S'il te plaît, laisse-les-moi. Je suis sûr que t'es un GG mec. T'as été un GG mec toute ta vie. Presque merci.
Tu pouvais pas tout me laisser, je veux qu'on soit, mais c'était presque fou mon gars. Mais... Pourquoi? Pourquoi ce crabe ne s'est pas retourné? Juste pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il avait juste à retourner dans mon tonneau, il veut pas. C'est pas grave, on va améliorer l'ultime. Allez, c'est parti. Non, je vais pas avoir assez de gold, de toute façon, pour faire BF plus botte de lucidité. Eh ben non. Mais non, mais non, mais si, qu'est-ce que je raconte? Mais si, j'ai assez de gold. Bon, c'est pas grave, on prend cette wave-là. On apprendra à compter plus tard. Hop, merci beaucoup. Tout va bien. Est-ce que ça vaut le coup que je mette un ultime? Bah ouais, mais je suis en train de back. J'ai pas envie d'arrêter mon back. Je pourrais mettre un ultime. Voilà. Ils le font beaucoup mieux que moi. C'est cool. J'aurais pu mettre un ultime, mais bon, ça voulait dire arrêter mon back et tout, et c'était pas cool d'arrêter mon back. Je trouve que c'est pas sympa d'arrêter le back d'un mec qui back, même quand c'est son propre perso. On va aller prendre des gold au top. Tout à l'heure, je voulais me laisser le red, je crois. Ouais, le red, c'est bien. Est-ce que j'ultime? Oh, j'ultime pas, hein. J'ultime pas, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Tralala, et tout. Lala, et tout. Ah, non. Effectivement, ça marche moins bien si je ne touche pas le tonneau. Allez, vous avez vu le pire GP du monde dans cette game. Et pourtant, cette game, je vais la gagner. J'ai fait 3 games aujourd'hui. Sur ces 3 games-là, il y en a une seule où je peux dire que j'ai mal joué encore. J'ai pas joué de ouf, mais j'ai joué clairement mieux que dans celle-ci. Et pourtant, c'est celle-ci où je joue le plus mal que je vais gagner. Bienvenue dans la Ligue des Légendes. C'est un jeu où la logique vous permettra de vaincre. Votre stratégie sera un élément décisif dans votre victoire, votre défaite. Ce jeu n'est qu'une vaste blague. Mais bon, profitons de cette vaste blague. Bonjour. Sinon, on fait connaissance toi et moi. Merci, très bien. Il a pas dû capter que j'étais là, le mec. Tout va bien. Il se fait piquer son blue buff deuxième fois. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, c'est qu'on en parle, Lux? Non, personne n'a de problème. Vous voulez pas qu'on discute un peu? Ah, il veut pas s'avancer. Hein. Ah, il avait noir là-dedans, je suppose. Bon. Comment je vais faire ça? Vous imaginez pas comment c'est dur d'être nul avec GP, hein? Mais non, mais... Sans déconner. C'est pas gentil, ça, Echo. Meanwhile, ma team fait le taf. Pendant que moi, juste, je joue GP. Elle est où, elle? Oh là, attention. Je cherchais Vayne et j'ai trouvé 4 autres mecs. Je les connais pas, ni Danon ni Dev. Vayne, Tristana, pardon. J'ai un peu pris cher. J'ai failli TP, puis non. Dis, je peux TP là. Oh. Mais j'ai rien eu à faire, quoi. J'ai fait clic droit, j'ai mis un tonneau. C'est ça. Ce perso mériterait même pas d'exister, les mecs. Je n'ai rien fait. Nerfez-moi ce GP, sans déconner, quoi. Enfin, au moins qui, je sais pas. Voilà. Ça me dérange pas qu'un perso soit puissant quand il demande une certaine maîtrise. Je pense à Riven, je pense à Fizz, c'est des persos voilà, où il y a un certain risque, etc. Mais là, sans déconner, quoi, je veux dire, je le sais que je joue ultra mal. C'est juste pas possible. Ah. Mais vas-y, mais lâche-moi, toi. Ah mais non, c'était le tonneau qu'il fallait que je fasse péter. Ouais, j'ai vraiment un souci avec mes tonneaux. C'est assez moche. Bon, c'est pas très grave.
C'est pas grave du tout. Enfin, si, c'est gênant, mais. Pourquoi est-ce que j'ai plus mon flash? Je l'ai cramé. Ah oui, non, je l'ai cramé tout à l'heure. Pardon. Pardonnez-moi. Ah là là. C'est compliqué ce jeu. C'est compliqué parce que plus vous jouez mal, plus vous vous dites, mais je mérite pas le gagner. Et pourtant, cette game, je pense qu'elle va être win. Mais je crois que j'aurais fait un seul bon tonneau. Attention, il y a Echo, il y a Echo, il y a Echo. Accessoirement, il y a Luxe, mais il y a Echo. Ah, c'est dommage. Joli flash. Vas-y, Malzar. Tu peux pas faire le taf tout seul, à mon avis. Ok, bon, Vayne fait le taf, c'est pas grave. Tiens, toi, va prendre ça. On va prendre ça, s'il te plaît, ce serait bien. Non, mais c'est bien, en fait, hein, je... Après, les gens vont venir voir sur la vidéo et faire « Oui, t'as de la chance, moi, habituellement, quand je joue mal, je perds mes games. » Ne croyez pas ça, les mecs. Je veux dire, j'ai joué super bien pendant deux games et pas trop mal pendant une game. Je les ai perdus. C'est la game où je joue ultra mal que je gagne. Mais c'est quoi ce délit de dégueulasse? Oh, mais ça m'agace, ça. Je veux juste faire proc des tonneaux, quoi. Je suis un peu triste, hein. J'ai vu un truc. Coucou. Coucou. Yeah. Ouais, non. Vas-y, vas-y, viens, 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 viens de patte. Ah. Ils ont l'air de vouloir battre de l'eau, ici. Alors, Cassia, Cassia, Cassia. Ah, mais non. Avec une Tristana, t'es un peu déçu, du coup. Effectivement, effectivement, il y a trop de range pour moi. Ah, je peux racheter un truc. Ah, mais... Mais ouais, mais non, mais si Tristana s'y met, là, je peux pas faire grand-chose, moi. Va-t'en. Tiens. Oh, ça protège aussi des dégâts des tonneaux. C'est bon à savoir. C'était pas prévu, mais c'est bon à savoir. Enfin, ça doit être bon à savoir d'une façon ou d'une autre. Je voulais back pour un truc, mais je ne sais plus pourquoi. Je devais avoir une raison bien précise. Hein. Alors, blue buff, je vais pas l'avoir free encore. Au dernier moment, très important, hein. Moins vous avez de HP, plus vous regagnez de HP avec votre orange. Donc important, on attend de prendre le maximum de dégâts. Et du coup, juste avant de mourir, le petit tonneau qui a bien fait mal, mais ça n'a pas suffi. Je sais même pas ce qu'on buide d'après sur lui. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on peut build? Je sais pas. Ouais, je pense que ça peut être bien ça, de la cooldown réduction. Allez, on va faire de la cooldown réduction. C'est bien là. N'oublions pas ceci. Je pense que ça peut être agréable d'avoir un petit boost pour mes alliés. Je sais pas si le gourboulet est très intéressant. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir toute la wave? Boum. Meurs. Ah, YMGP. Si maintenant je mets des coups d'épée sautée, effectivement, c'est... Ça peut être compliqué. Ok, allez, c'est parti. Vous imaginez le mec, là, il a mis un bandeau. Son tricorne ne suffit plus. Meurs, meurs. Qu'est-ce que t'as? Tu vas mourir. Waouh. J'ai pas mon ultime, ceci va pas être spécialement utile actuellement. On a le Drake free, ça nous fait notre troisième Drake, c'est plutôt cool. On va garder des tonneaux dans les bushs, hein. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que ça peut toujours servir un jour. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Mais viendra le jour où les tonneaux vont servir, où je me dirai je suis content de les avoir posés dans les bushs. Meurs ! Ce creep a été... Lâchez-moi, sans déconner, je vous ai fait quoi? Touché.
c'est dommage. Bon, on se dit, ça leur met une petite pression, c'est rigolo. Pensant, je peux me régénérer, je peux tout faire. D'accord. Merci beaucoup. J'ai mangé des oranges. Toucher. Enfin, toucher les creeps, mais... Est-ce que j'ai du farm? Ouais, j'ai du farm. C'est cool. J'aime le farm. Je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée, là, Chaco, ce que tu veux faire, mais... Je suis même pas convaincu du tout, en fait. Hein. Je pense que c'est la pire des idées du monde, mais... Ouais, on va back. On va back parce que comme ça, si je back, ils vont se dire, oh, on ne peut pas le faire. Allons-nous-en, aussi. Que si vous restez, en fait, vous dites, mais ils sont en train de me bait, et vous êtes à moitié en train de les bait aussi, indirectement, enfin, c'est un peu ça. Si tout le monde back, y a pas de souci. Du coup, vu qu'on joue, en théorie, beaucoup sur les tonneaux, est-ce que ça vaut le coup de but dans la Swisper? Je suis pas sûr. Maintenant, vu que je suis nul, que je joue pas très bien avec les tonneaux, je pense que ça va être intéressant pour moi, la Swisper. On va partir sur ce principe-là. Ça me paraît être un principe plutôt légitime. Je sais que je vais être nul avec les tonneaux, donc autant partir sur un stuff qui va être utile, la Swisper, ça me paraît cohérent. Toujours trouver une cohérence dans votre façon de jouer, hein. Si vous savez qu'il y a des trucs que vous réussissez mieux que d'autres, bah... Misez sur vos points forts. J'en ai pas avec GP, mais... Mais il y a des gens qui vont en avoir. Hop. Il va y avoir des gens qui vont venir ici, c'est sûr et certain, on les a vus décaler de la mid lane. J'ai regardé la minimap. Très important, regardez la minimap. Dixie que le mec qui vous a dit l'avoir oublié tout à l'heure, certes, mais quand même. Bonjour. Hey. Ouais, oui. Oh non. Je suis pas convaincu là qui. Ah non, raté. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je peux back? Pas encore, j'ai pas. Ah si, si, j'ai les gold. Je me dis bien, je sentais un truc. J'ai mon TP de up, de toute façon, ça chauffe. Ah, ou alors après intelligemment je pars full tank. En me disant que j'ai déjà largement ses dégâts, largement 7 CDR et je pars sur la tankiness. Ça c'est intelligent. Et là je me pose une question vachement importante. Est-ce que le parler fait proc? Pas ça mais l'hydra. Si oui, c'est intéressant. Dose, parler, proc, hydra. Ça fait mal. J'ai essayé. Hein. J'ai voulu vraiment. Mais j'ai fait proc le tonneau. On pourra le noter. Mais on notera aussi que quand Janna essaye de 1v1 écho pour une ward, ça vaut pas le coup d'essayer de 1v1 et. Enfin. Non, je veux dire, la décision est mauvaise. On va pas prendre des décisions mauvaises. C'était tout aussi ridicule. Pourquoi est-ce que je vois pas les wards? Ah non, c'était dans le mouvement item. Autant pour moi. Oh, la tristesse de la luxe. Comment elle doit déprimer la pauvre. Toi, tu vas prendre cher. Ah, c'est dommage. Cette veine, mon dieu. C'est une GG veine, les mecs. Je n'ai pas activé ma Yumu, d'ailleurs. Je suis le GP. Je sais même pas s'il y a des mots pour décrire les mecs aussi mauvais que moi. Les hontes de la vie. Et pourtant, je 276... Voilà, au minimum, si vous êtes nul... Essayez de farm. Le farm, ça vous permet toujours de faire des trucs, au moins des dégâts ou de la tankiness, même si vous êtes mauvais, je veux dire. J'ai pas été bon dans cette game. C'est pas grave, j'ai du farm. Pourquoi être bon quand on peut avoir du farm comme ça? Tiens, bim. Cette tristesse. Est-ce que je vais pouvoir avoir la troisième amélioration? Oh, je suppose. J'ai mon team dans 6 secondes. Ils sont en train de faire le baron réellement ou? Bonjour. Non. Oh, magnifique. Non, je suis nul. Arrêtez. Je peux pas refaire ça une deuxième fois, mais... Ah, ils ont la vision. Bon, moi, je peux les empêcher de prendre le baron, c'est déjà ça. Hein. Oh, le tonneau, il a fait mille et quelques de dégâts, quoi. I'm a fair, just man.
Bon, c'est déjà pas mal. Ok. On a le premier move. Premier bon, vous avez vu. Faut le reconnaître. Merci. Hop, prononce là. Avancing anything to you. Dadada. Tout va bien. Tout va. Ah, alors. Faut savoir que normalement, je ne mute jamais personne. Je viens à peine de voir que la veine est dans ma BL. Alors, c'est super bizarre venant de ma part. Hein. Pour les gens qui me connaissent, vous devez être tout aussi choqués que moi. Est-ce que j'ai quelqu'un dans ma BL? C'est assez bizarre quand même. Hein. Personne m'a répondu si le parler faisait un prof d'Hydra, d'ailleurs, c'est un peu triste. Mec, je joue un perso pété, mais forfait, non je... Bah alors, on a peur? Est-ce que je peux taper là-dessus? Je peux pas. Mettez noir, mettez noir, mettez noir, les copains. Warb, TP. Warb. Deuxième, allez, c'est parti. C'est parti, on n'a pas peur. Oh, Vayne, voyons. Aïe, je l'ai fait un peu trop tôt, là, le petit biscuit. Petit biscuit, le cookie, l'orange. Que dis-je? Ok, elle est sur la lane, la luxe, on peut faire ça. Très bien. La Vayne qui va aller choper tout son farm, je suppose. Évidemment, c'est légitime. Ok, en fait, les tonneaux, tu les fais en kiting, et c'est complètement dégueulasse comme truc, hein, je... bon, dans ces moments-là, en fait, je vais regarder sur Internet comment on stop GP. Ça peut paraître bête, hein, mais si je lui mets une Hydra et que ça ne proc pas, ça va être un peu triste quand même. Gangplank. Check guide. Alors, dagadagada. Voyons voir. Est-ce qu'il faut... Oui, mais oui, très bien. Ah, non. Pour un vu, ils disent, je peux faire un build comme ça, ce qui marche pas mal. Bah écoutez, moi je pense que ça va être bien ça. On peut vendre ça. Ça on peut le garder pour l'instant de toute façon. Puis on va prendre... Oh, ensuite on prendra ça, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, partons là-dessus. Rachetons une ward. Ici on va mettre plutôt ça, hein, c'est toujours bien d'avoir de la vision. J'ai mon TP de up. TP steep up. Et on est pas mal. On est pas mal, j'ai des tonneaux qui font du plus de 1000 de dégâts. Je n'ai rien fait de ma game. Meurs. J'ai combien de CDR? J'ai 30%, c'est pas mal. Oh là. Ouais, faites gaffe à vous. Enfin, faites gaffe à moi. Oula. Yes, touché. Ouh, il y a des gens. Oh merde, j'ai cru que c'était des copains autour. Mais en fait, il y avait plus de méchants que de copains. Je crois que tous mes copains, ils sont morts. Non, il n'y a qu'un copain qui est mort. Ok, très bien, je... À la base, je savais qu'il y avait des méchants par là, je croyais qu'il y avait des copains ici, en fait, c'était pas des copains. C'était des méchants. J'aime pas les méchants. Non, non, va-t'en, Chaco, je veux dire, tu peux... Si, tu peux. Ah, tu peux. Tu peux, à mon avis, si t'as un flash. Ah non, bah, tu peux plus. Oh, mais là, non, quoi. Juste non. Ok, my bad, j'ai mal vu entre les copains et les méchants. C'est un peu triste, hein, dans ce moment-là, vous savez, c'est... Ce petit moment où vous dites, ça passe moins. Bon bah là c'est passé moins. Mais je suis sûr que dans d'autres jours, sur un malentendu, ça peut passer bien. Hein, mais... j'ai besoin de gold. Très bien. Merci. Ah mais non, pas de ces golds là. Je suis complètement con. Bon si en fait, ceux-là aussi. Mais... C'est pas vraiment ça que je cherchais en fait. Moi ce que je voulais c'était... Bah c'était juste ça, tout simplement. Il me manque encore une petite amélioration. 84 secondes.
Comment on va faire ça? No one steals from me. Ok, c'est parti. C'est parti, on va faire la dernière amélioration. Un petit statique après. Et la vie devrait être belle. Mourra. Du coup, j'ai aucune idée de l'efficacité de mon team actuel. Ça doit être plutôt powerful, mais je... Wait and see, quoi, comme on dit. 40 secondes. Pour peu que je mette bien. Je n'ai plus de flash. Ah, il y a des gens là-dedans. Ouais. J'aime pas. Coucou. Oh, m'énerve cette Tristana! Avec la range qu'elle a et la vitesse d'attaque, c'est juste ingérable hein, de mettre des tonneaux. Regardez quand même des CD de tonneaux, parce que... Hop là, non. Oh. J'ai tout pris, mais tout. J'ai vu mes HP, ils étaient à fond, puis ils étaient plus à fond. C'est un peu dommage, parce que je crois que j'ai grid, mais que c'était cool. Parce que Vayne, pendant ce temps-là, a fait son taf. Je crois que j'ai fait perdre plein de HP à quelqu'un, je sais pas exactement à qui. Dans l'idée, je pense qu'au final, ça a été worse. Hein. Pas parce que j'ai bien joué, mais parce que mes mates ont fait un truc avec ça. À mon avis, il était mort. Ah bah. Chaco, merde. Oh. Bon, j'ai le TP d'up. TP up, I can def baron. Il faut voir dead. On a une ward là, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bye. C'est parti. Ouais, d'accord. Je dois avouer que dans l'idée là-bas, j'aurais dû attendre pour TP. Il y a quelqu'un à ping, alors moi on ping. Je sais pas qu'il y a ping, mais ça m'a fait stresser, je dois avouer. Vayne. Alors, voilà, ça explique peut-être pourquoi elle est mute. Cette tristesse. Mais oui, non, le TP était beaucoup trop tôt, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit la Janna. Mais j'ai vu un ping, alors j'ai pas réfléchi. Cerveau débranché, je vois un ping. Ma ping, j'y vais. Ça prouve bien déjà que je suis pas dans une bonne condition de jeu. Parce que quand je suis dans des bonnes conditions, si quelqu'un fait un truc pas bien, je ne suis pas. Les mecs peuvent m'insulter après, je sais que j'ai une bonne décision. Là, je crois que n'importe qui pourrait me dire fais ça, je le fais. J'ai pas le recul nécessaire par rapport à cette game. C'est triste. D'autant, j'ai même pas l'ultime 2 up, hein. C'est un peu sale quand même. Mais bon, c'est pas trop gênant du fait qu'on ait deux ennemis, mais... Je voulais faire R sur elle juste pour voir les dégâts que je mettais. Ça sert à rien. Là, j'ai aussi envie de faire R, j'ai envie de faire R partout en fait. Coucou. Mills, ouh. Ouh. On va essayer d'aller là, on va passer par derrière, très important, ne passez jamais devant, c'est toujours très très risqué. C'est moi, la range des tonneaux augmente, je suppose, avec les levels. C'est bizarre. Oh, mais c'est sale, ça. Oh, mais... Mais c'est pas humain, ça. M'énerve, ces gens. Bouclier, auto-shot de Tristan. Mais ça, ouais. Je peux avoir une vie avec mon GP ou pas? Bon, ceci dit, du coup, on a défendu ça. Oh! Je suis pas convaincu que tu fasses le taf, toi. Alors, la veine, ça doit être quelqu'un qui tilt pour qu'elle soit dans ma BL.
Du coup, je suis pas sûr que la flame ça, ça fasse beaucoup de bon taf. Ce shield de Brom est vraiment horrible, sans déconner quoi. C'est une vaste blague hein, ce shield. Enfin bon, c'est pas grave. Mais le shield de Brom... Ah, Brom Tristana quoi, je crois que c'est le pire combo que j'aurais pu avoir. Bon, ceci dit, ça fait toujours mass gold. Je peux pas faire une double upgrade après, genre une upgrade que j'ai donné. Oh, vous avez donné cette upgrade, faites-la en double. Ça pourrait être vachement rigolo. Non, non, c'est pourquoi il n'y a pas de... Très bien. Je pensais qu'il y avait plus de creep, mais non. Bon, mettons de la ward. Le ward, c'est la vie. On a tous très envie. Il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de loup. On va leur éviter de filer 10 gold, j'ai déjà filé tellement de gold je crois à la team adverse comme ça. Ouais, enfin le Drake est dans 3 minutes quand même. Je suis conscient que c'est bien d'arrêter Drake. Non mais laisse-moi voir, mais j'y suis. Laisse-moi poser mes mains. Arrête. C'est une blague ça. Je peux pas faire péter mes tonneaux. Je joue tellement mal ce perso, c'est à vomir. Allez, mettons des tonneaux. C'est la fête. C'est la fête, comme dirait Jiraya. Ceci, c'est Ward, en fait. J'aurais dû mettre des tonneaux et essayer de les faire péter, mais j'en ai touché aucun, je crois. Je suis vraiment dégueulasse. J'en ai fait péter que un, d'ailleurs. Je suis pas convaincu que c'était worth de risquer ça, mais... Bon, c'était rigolo, moi. Ça montre à quel point je suis nul. Mais... Je suis pas sûr. Tiens, salut. Bon, Vayne doit... On doit sans doute trash à mort, peut-être. On va essayer, voilà, on va voir. Mais je suis complètement sale, hein. Les pauvres, ils voient Vayne, ils ne me voient pas moi, je crois. C'est... Tant mieux pour moi, vous me direz. Tu peux pas défendre ça. T'es mieux à back et à défendre l'inhibiteur, copain. Je te dis ça, après je te dirai, hein. T'es pas obligé de m'écouter, Malzara. Mais là, tu vas te faire violer. Pour l'inhibiteur, il y aura Vayne et moi je vais être raise aussi, à peu près. Mais là, tout seul, tu peux pas. Non, non, bah non. Je lui avais dit. Est-ce qu'il m'a écouté? Non. On perd un inhibiteur là-dessus. Ouais. GG. Ah, bravo, bravo. Hein, on peut faire confiance à Malzara. Où est-ce qu'ils sont? Parce que là, du coup, les méchants, ils doivent être en train de faire un truc. Ah. Ah, c'est un peu compliqué, quand même. Oh, j'en ai marre. On peut pas faire péter un tonneau tranquille dans ce jeu. Bonjour. Quelqu'un? Ah, il y a quelqu'un. Non, c'est sur le tonneau, tu peux faire péter. Non. Aïe. Aïe. Ouch. Bon, j'arrive pas à faire péter mes tonneaux par contre, hein. Je suis toujours à côté, c'est super désagréable comme truc. On a tué un Brom pour une veine, je suis pas complètement sûr du worst de la chose, mais...
Ouais, 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 c'est compliqué, hein. J'arrive pas du tout, ils font péter tous mes tonneaux. Je suis peut-être le pire utilisateur de tonneaux du monde. Ok, il y a le baron qui up. Est-ce que je peux tonaliser un petit peu tous les boches à l'avance? Je sais pas, hein, mais... Tiens, salut. Oh, bim. Sans déconner, c'est une blague. J'aime pas beaucoup ça. Malzar, on te voit, juste comme ça. Ah, c'est le deuxième baron là, ça devient gênant. J'ai peur. Ouah, j'ai ultra peur. La luxe, elle est horrible. Mais la luxe, ça me fait tellement des trucs bizarres. Je peux pas, quoi. Je peux juste pas. Mais tous mes copains, ils sont morts. Est-ce que je tente? Ça sert à rien que je tente. Ouais, non. Heureusement que je n'ai pas tenté le TP. Qu'est-ce que je suis censé pouvoir... Je sais pas. Je crois que j'ai pas réussi à faire péter le tonneau là. J'arrive pas à viser mes tonneaux quand ils sont dans la mêlée. Ça me fait un peu penser en lanterne de trèche. Et lanterne de trèche que je n'arrive pas à toucher non plus. Chaque fois. C'est horrible là. Bon, on a perdu. GG. Je dois être le pire GP du monde, je crois. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente nuit. Pensez, vous êtes tous les liens, Facebook, Twitter, tout ça. Et le site aussi, hein, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'était moche. Bonne nuit.